Bonsoir les gars, on se trouve avec une nouvelle vidéo. Alors bonjour, excusez-moi si j'ai pas fait beaucoup de vidéos en français, mais les problèmes de les français que moi je les parle pas très bien. Je préfère faire des vidéos en italien beaucoup de fois parce que je sens que je peux expliquer mieux les choses en italien. Bon, on essaye de faire quelque chose pour partager avec vous en la langue française, que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui sont français, donc j'aimerais bien de faire quelque chose pour vous les gars. Ok, on se trouve aujourd'hui avec la Rolls Royce Bright. On a fait un covering très très spécial, donc la voiture j'ai fait blanche et noire. Au mieux, la voiture, il a le coffre, le capot et le toit avec les PPF. PPF, c'est Paint Protection Film, c'est un film transparent, mat. Comme ça, il me protège dans les cailloux. Car l'autoroute, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Aussi, j'ai pris un caillou sur les pare-brises, il m'a abîmé les pare-brises. Et après, à les côtés de la voiture, il est complètement blanche, donc bicolore, comme il était d'origine, qu'il était gris et noir. Avec tous les détails chromés, si vous vous souvenez sur les dernières vidéos. La voiture, avec ces configurations-là, il est changé complètement. Après, j'ai fait les jantes noires, j'ai fait des trucs sur les pneus. Donc, ils sont des écritures sur les pneus de mon homme. Ils sont vraiment magnifiques. Il arrive dans l'Amérique, qu'à l'Europe, je ne trouvais pas. Dire merci beaucoup à la personne qui m'a fait les coverings sur la voiture, qui l'a travaillé vraiment, vraiment nickel. Donc aussi dedans, dans la porte, il a fait vraiment un travail de fou. Et bon, je suis très très contente, la voiture l'a changée complètement et c'est vraiment un bête incroyable, un monstre. Bon les gars, on essaye encore une fois, je l'ai déjà dit, de faire des vidéos pour vous en français. Que moi, avec le français, c'est pas tous les jours. Ils sont des fois que je sens que je peux parler un peu français mieux. Ils sont des fois que j'arrive pas à parler français. Je pense bonjour, bonsoir et c'est fini. Bon, alors je vais montrer dehors la voiture tout de suite maintenant, comme ça on voit exactement qu'est-ce qu'on parle. Alors les gars, on commence à parler des miroirs. Donc regarde un peu, vous pouvez voir que ils sont faits vraiment, vraiment nickel. Tu vois pas que c'est des covering. C'est comme de la peinture, c'est incroyable. Je ouvre la porte. Et les gars, regarde un peu. Quel travail. Mamma mia. Quel travail. Regarde un peu la porte ici. Ça, c'est des autocollants originaux de la voiture. Il a bien bossé. Hein? Il a vraiment bien bossé. Alors, ça, ce sont les jantes noires avec l'écriture sur les pneus. Donc, 093 comme Morningstar. On a fait ça noir. À l'époque, il était blanche. Et vous pouvez voir la voiture, les détails de la voiture, complètement blanche et noire, béton. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Ça, c'est noir. À l'époque, il était chromé. Ça aussi. Fait les phares un peu plus noir. Et bon, ce sont vraiment les détails qui font la différence. Vous ouvrez ici, regarde les gars, et regarde, c'est comme de la peinture. Je termine pas de le dire, mais c'est la première fois que j'ai un covering comme ça sur une voiture. Le noir mat, c'est les PPF, comme moi j'ai déjà dit. Ça, à l'époque, il était chromé, avec les coverings. Il a fait noir brillant, les Batman, que moi je mets tous les fois. Ça aussi, à l'époque, il était chromé.
les phares ils laissent un peu fumer comme ça. Et bon, je suis vraiment vraiment très contente de ce travail. L'étoile. Bon les gars, alors qu'est-ce que vous pensez de cette configuration? Fait beaucoup Miami ou Los Angeles style ou qu'est-ce que vous pensez? C'est bien ou pas? Et regarde les gars, les radars du parking. Alors les gars, je vais montrer aussi les moteurs de la voiture. Donc, on s'ouvre ici. Alors, on a V12, 6006, 634 chevaux. Ça, c'est le cœur de la voiture. Aussi le coffre, les gars, il est énorme, énorme. Il y a une chose qui c'est très joli, que toutes les personnes ils me demandent de ça. Ça, c'est vraiment la classe. Hein. On ferme la porte. On démarre la voiture. Ok. Moi, j'ai fait déjà 8152 km. Donc, j'aime beaucoup conduire sa voiture. On a l'étoile, il y a beaucoup de soleil, donc on ne les voit pas comme la nuit. Ces détails, les gars, de les surpiqûres, ils sont phénoménales. Aussi, les gars, je veux montrer qu'à l'arrière, la voiture, c'est très, très confortable. Moi, je suis 1m98. Oui, le go-karting qui passe toutes les fois quand je fais les vidéos. Punaise. Alors, je vais à l'arrière et je vais montrer comme on s'installe à l'arrière. On voit à l'arrière. Ok. Regarde les gars. Ok les gars, je me suis installé à l'arrière. Regarde un peu. C'est très 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 confortable. Magnifique. 4 personnes sur cette bagnole fait des voyages fantastiques. C'est ça que moi j'aime beaucoup de sa voiture. On peut porter des amis et tout, et c'est magnifique. On a aussi un petit miroir ici. Et regarde les gars, la classe. Les volants comme ça, noir et marron, avec les bois comme ça. Moi, les gars, cette configuration, pour moi, c'est les top. Vraiment les top. Les gars, j'espère que vous appréciez mon vidéo et on essaye de faire plus vidéos comme j'ai dit en français et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao les gars, suivez-moi sur Insta, Donze093. Ciao.